Coucou, j'ai envie de te partager une canalisation que j'avais faite en écriture intuitive. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Mais je pense que le message, si je te le partage aujourd'hui, c'est qu'il est important. À toi qui n'arrive pas à te libérer des chaînes de ton passé. À toi qui avance en espérant que demain soit un jour meilleur. À toi qui souffre à chaque respiration. À toi qui tous les jours espère que la vie va te sourire. À toi qui ne vois plus en rien, plus en toi. À toi qui espère en secret que personne ne voit ta fragilité. À toi qui es en difficulté, prends une pause et regarde autour de toi ce que la vie peut t'apporter. Si tu décides de te libérer de tes blessures, ne le prends pas pour toi. L'univers a confiance en toi. Et c'est avant tout en toi que le changement doit se faire. Tu peux libérer ton passé, alors ne te retourne plus. Ose lui dire adieu. À toi qui veux avancer en voulant un jour meilleur. Aujourd'hui est un jour meilleur. Ose, pense-le. À toi qui ne respire plus, qui n'arrive plus à exprimer ta douleur. Ose dire ce qui te brûle de l'intérieur. Toi qui ne crois plus en rien, crois en toi, aime-toi. Toi qui es fragile, montre ton vrai visage, ne te cache plus. Nous vous voyons souffrir en silence. Est-ce que c'est ta destinée? Non. Vous devez vous accompagner les uns les autres. Enlevez vos chaînes, dépose ton passé, accepte d'être enfin toi sans artifice. Libère ton cœur, ton âme. Le devenir de notre terre-mère sera fait de sacrifices, de laisser pour compte. À toi qui accepteras de te guérir, de revenir à l'essentiel de ta vie, tu pourras à ton tour aider celui qui le souhaite. C'est le début d'une nouvelle ère, qui sera douloureuse pour certains, plus douce pour d'autres. Nous, êtres de lumière, avons confiance en vous, donc en toi. Être de l'univers, ton destin est entre tes mains. Tu récolteras ce que tu as semé, en bien ou en mal. Tu es libre de ta destinée, à toi d'en faire bon usage.